Il n'y a donc pas cours aujourd'hui à l'école primaire Notre-Dame des Grâces à Woluwe-Saint-Pierre. Ce sera aussi le cas demain. C'est une conséquence de l'incendie qui s'est déroulé samedi matin. Retour aujourd'hui sur les lieux. Jean-Christophe Pezès, vous êtes sur place. Le personnel continue à déblayer et à constater les dégâts. Oui, Muriel, c'est plutôt une entreprise spécialisée hein, qui est sur place et qui entreprend le nettoyage des classes. C'est un nettoyage minutieux qui va prendre plusieurs jours. Ce qui frappe hein, quand on entre ici dans les classes, c'est l'odeur, évidemment, et puis aussi la suie qui s'est déposée un peu partout, même dans les classes qui ne sont pas concernées par l'incendie. Donc le nettoyage va prendre plusieurs jours. D'après le superviseur de l'entreprise, certaines classes pourraient être accessibles à la fin de la semaine, mais ce sera beaucoup plus long évidemment pour la salle polyvalente. C'est là où le feu a pris et où les dégâts sont très importants. Vous l'avez dit, les cours sont suspendus pendant 2 jours. Pourront-ils reprendre après et dans quelles conditions? C'est la question que se posent beaucoup de parents. Nous en avons croisé certains ici devant l'école qui venaient aux nouvelles. Alors pas de solution définitive pour l'instant. La direction et les enseignants sont en réunion. Plusieurs pistes sont sur la table, notamment l'utilisation de certains locaux de l'école communale, toute proche. L'utilisation aussi de certains locaux du centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. Tout cela doit encore être décidé en concertation avec la commune. On devrait en savoir plus dans le courant de cet après-midi. Merci Jean-Christophe Pezès.